L'étude qui a été menée sur le jardin de la préfecture du Doubs provient effectivement d'une commande qui a été initiée par l'association ACANTE, qui est une association qui vise à promouvoir et à faire connaître les jardins de Franche-Comté. Cette étude s'inscrit dans un programme plus vaste qui a été financé aussi par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté et qui a impliqué la ville de Besançon également, qui visait à connaître et à mener un inventaire sur les jardins du centre ancien de Besançon. Ce patrimoine paysager, qui était finalement assez mal connu, on connaissait très bien le bâti du centre ancien, mais très peu les espaces verts, et l'intérêt était donc d'étudier en détail une dizaine de jardins représentatifs du centre ancien de Besançon. Le jardin de la préfecture était bien évidemment incontournable puisqu'il est le plus vaste jardin de la boucle de Besançon encore conservé aujourd'hui et il n'a jamais été amputé au fil des ans. Son emprise foncière correspond au jardin d'origine. La préfecture du Doubs, ancienne intendance de Franche-Comté, a été créée entre 1771 et 1778. Et dès la période de création de l'intendance, eh bien, des jardins ont été réalisés à grands frais, hein, puisqu'il a fallu combler et niveler un terrain marécageux. Et les deux architectes ont proposé, semble-t-il, un projet de forme extrêmement classique, correspondant à un jardin à la française avec un parterre de buis, un parterre de broderies de buis au dessin extrêmement travaillé avec des arabesques et des motifs floraux, complété d'un bosquet, en forme d'étoile qui prend la forme d'un pentagramme qui avait peut-être en cette fin du 18e une symbolique toute particulière, peut-être liée à la franc-maçonnerie. Très rapidement, dans les années 1780, le jardin va être agrandi, modifié et embelli sous la direction du dernier intendant de Franche-Comté, Comartin de Saint-Ange, qui ajoute un potager verger dans la partie ouest de la propriété. Il simplifie aussi ce parterre de broderie qui, dès l'origine, était très coûteux d'entretien, on le devine, et aménage finalement un tapis vert qui est dans le prolongement de l'intendance et qui fait face au grand salon de la rotonde. Et il transforme également le bosquet en forme d'étoile pour le rendre beaucoup plus simple avec des formes angulaires et y ajoute des parterres de fleurs qui sont tout à fait à la mode sous cette période Louis XVI. Ce jardin va rester en place finalement jusqu'au début du 19e siècle. Dans les années 1826-27, on améliore ce jardin et le transforme cette fois-ci en un parc à l'anglaise, un parc romantique avec des allées véritablement courbes et une palette végétale qui est caractéristique de ces parcs de la première moitié du 19e avec beaucoup de résineux, de peupliers d'Italie et une quantité importante d'arbustes qui formaient des clairières qui entouraient les différentes pelouses de ce jardin anglais. Cet état 1826-27 a permis de figer, si vous voulez, le jardin de l'intendance de la préfecture qui va nous être transmis jusqu'à nos jours. Il n'y aura plus finalement de grande transformation du jardin après ces années 1820. On va continuer à l'embellir, à l'améliorer. Un bassin est ajouté, un rond d'eau. On créera aussi une orangerie en 1812 sous la direction de l'architecte Philibert Lapray, qui était un élève de Pierre-Adrien Paris. Et puis, on va replanter progressivement ce jardin, mais sans le transformer. On conserve vraiment l'esprit anglais très romantique de ces années 1820. Voilà en gros pour ces grandes étapes de transformation qui sont finalement se réduisent à une cinquantaine d'années hein, dans les premières décennies de la construction de l'intendance. Preuve d'une transition hein, de l'art des jardins où on passe d'un jardin à la française à un jardin à l'anglaise, mais cette transition va se faire de manière progressive, d'où un état intermédiaire qui va aboutir à ce jardin anglais. Dès l'origine, il y avait des liens de circulation et aussi des liens visuels entre le jardin de l'intendance et la promenade Chamard. La promenade Chamard était une très belle promenade, hein. L'agronome britannique Arthur Young
lors de sa visite en France dans les années 1780, disait qu'il s'agissait de la plus belle promenade de France. Eh bien, l'intendant Charles-André de la Corée, au moment de la construction de l'intendance, va bien évidemment lier ces deux jardins, et Chamart était le prolongement du jardin de l'intendance. Ensuite, il va y avoir une volonté de fermer le jardin de l'intendance par des murs, mais on a percé une grille, hein, à claire-voie, disait-on, pour continuer à avoir ce lien visuel entre le jardin la promenade Chamart. Voilà. Après, au moment du jardin anglais, des liens également visuels ont été ménagés avec l'extérieur du paysage pour mettre en valeur les collines qui entourent ce jardin, la colline de Chaudanne, mais on a aussi aménagé une vue qui donnait sur la citadelle, une vue cadrée par des arbres et qui mettait en valeur le grand paysage entourant ce jardin anglais. Le jardin a effectivement évolué au fil des siècles. Déjà les végétaux ont vieilli de façon naturelle et on a un patrimoine arboré aujourd'hui qui est un peu vieillissant, mais on a surtout une simplification de la composition de ce jardin qui est liée, comme je vous l'ai dit, au vieillissement, mais aussi aux affres du temps. On sait qu'il y a eu des tempêtes importantes au début du XXe siècle qui ont porté beaucoup d'arbres, et puis des sécheresses. L'été 1911 a été extrêmement sec. Beaucoup de résineux du jardin romantique ont disparu à cette époque. Les cheminements aussi ont évolué. On a une simplification du réseau des allées. On a conservé les deux allées courbes partant de la rotonde, mais on sait que dans le bosquet qui se trouvait à côté, les allées se sont simplifiées pour s'effacer progressivement. Alors, des anecdotes, il y en aurait sans doute à raconter. Il y a eu des préfets et leurs épouses qui avaient une volonté de planter, de marquer peut-être leur passage, d'embellir et d'améliorer ce jardin. Je pense notamment au préfet Claude Guéant qui a restitué le parterre de fleurs du 18e au pied de la façade est. Et ce parterre, c'est intéressant de noter que c'est un parterre non pas de buis, mais il avait déjà, dès les années 1990, pensé à ne pas mettre du buis, aujourd'hui attaqué par cette chenille, mais du lonicera qui nous permet d'avoir un parterre aujourd'hui toujours vert et qui n'est pas sensible aux parasites actuels. D'autres préfets ont beaucoup planté dans ce jardin. Il y a eu la volonté de planter des arbres d'agrément, des arbres remarquables, mais aussi d'ajouter des collections parce que, eh bien, ces préfets et leurs épouses étaient associés à des arbres peut-être rappelant un souvenir d'enfance ou une collection d'arbres qu'ils avaient pu voir chez eux, ou peut-être marquer la naissance d'un enfant par la plantation d'un arbre. En tout cas, les occupants de cette demeure ont pendant plusieurs années planté dans ce jardin. Il n'y a effectivement plus d'arbres qui remontent au 18e et ni du début du 19e. En revanche, il y a eu vraiment la volonté donc de replanter des arbres d'intérêt botanique. Et aujourd'hui, c'est un atout de ce jardin qui comprend des arbres remarquables, toute une palette d'arbres fruitiers qui sont dans le verger avec des variétés anciennes. On a par exemple deux abricotiers qui se trouvent contre le mur de l'orangerie. Et puis un arbre à kaki, alors c'est un arbre assez rare sous nos climats. En tout cas, l'arbre à kaki de la préfecture du Doubs produit beaucoup de fruits qu'on va pouvoir récolter cet automne. Voilà. Donc il y a un véritable intérêt botanique dans ce jardin. Un plan de gestion, en quelques mots, hein, c'est un document qui est destiné aux propriétaires et aux gestionnaires d'un jardin. Il vise à mettre en place des études préalables pour connaître ce jardin et le maîtriser. Et il définit un projet qui va permettre d'échelonner des travaux sur quelques années, 3, 4 ou 5 ans. Et ici, à la préfecture, monsieur le préfet, monsieur Mathurin, a souhaité que ce projet s'appuie, se fasse avec un travail scolaire.
des scolaires, des CFA du département et de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et nous sommes actuellement en train de mettre en place ce projet qui va se faire dans l'année scolaire à venir. Voilà, les études préalables ont déjà été faites, hein, l'approche historique, l'analyse paysagère. Il nous reste une phase de diagnostic des arbres pour déterminer leur état sanitaire. Et ensuite, les élèves pourront travailler sur ce projet pendant l'année scolaire à venir. Et nous mettons aussi en place un partenariat avec le CFA de Château-Farine à Besançon pour une phase plutôt de travaux, et tout en travaillant avec une filière qui est extrêmement intéressante, qui est la filière jardinier-botaniste, qui se fait à Besançon, qui est une filière d'intérêt national, puisqu'elle est la seule à former des jardiniers-botanistes, qui bien évidemment pourront nous aider à mettre en place un projet renforçant l'intérêt botanique et historique de ce jardin. Nous allons redéfinir un programme de replantation avec des végétaux de collection. Le potager va faire l'objet aussi d'un travail détaillé, pourquoi pas avec des variétés anciennes de légumes ou d'arbres fruitiers, des méthodes culturales à la mode et qui ont une utilité dans ce contexte de réchauffement climatique comme la permaculture, par exemple, qui pourrait être développée dans ce projet.